Morgan, allez, idem les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf, Nicha, Ben Masouda, Nachman Youssef, Ben Nachum, Avram, Chaynor, Ben Fortuné, Mazal, et Dov, Ben Yehudit, Nissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez, vous étudiez une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions Maserhet Tamid, Perek, Gimel, Mishnah, Gimel. Amar Lahem, Tseou, Vehavihu, Tale, Milishkat Atlaim. Varei, Lishkat Atlaim, Haïta, Bemikto Atzvanit, Maharavit. Dans Belechachot Ayusham, Achat Lishkat Atlaim, ואחת לשכת אחות המות, ואחת לשכת בית המוקד, ואחת לשכת, לשכה שהיו עושים בה לחם הפנים. Depuis le début du Perek Shlishi, le mémouné, le responsable du Bet HaMikdash, de distribuer les rôles à chacun, a tiré au sort qui allait faire la Shrita, du Korban Tamid, la Zrika, et ainsi de suite, comme ce qu'on a dans la Mishnah Aleph. Dans la Mishnah Bet, il s'est ensuite soucié à s'assurer qu'il fait bien jour, Barkaï, ou Igia, Aor, Hadjabe Chevron, Igia, ouais, comme ça on apprenait, hier, Pnekol, Amizan, Hadjabe Chevron. Il y a maintenant dans la Mishnah Gimel, puisqu'il fait jour, alors on va commencer maintenant à apporter le mouton pour le faire en Korban Tamid. Amar Lahem, il disait le Memouné, il leur disait au Kohanim, Tseou, Vehaviou, Tale, Milishkat, Atlaim. Sortez et allez chercher un mouton qui se trouve dans la Lishkat Atlaim. Lishkat Atlaim, c'est, comment dire, le cabinet, la salle annexe où se trouvaient les moutons. Soit, c'est important de comprendre un petit peu le plan du Bet HaMikdash, comment il était, de la Hazara. On aura l'occasion de l'étudier longuement dans ma Maseret Midot, on va parler que de ça, mais on va déjà commencer à se faire un petit peu au principe. Il y a la grande cour, c'est un endroit découvert. Il y avait dedans le Misbéach et le Kodash HaKodashim. Mais il y avait par ça tout autour du Misbéach toutes sortes de l'échachot, l'ishka. L'ishka en hébreu moderne, c'est un cabinet. On dit la l'ishka Rosh HaMemshala, le cabinet du Premier ministre. D'accord, l'ishka, ça peut être une salle annexe. Il y avait tout autour du Beth HaMikdash, comme ça, toutes sortes de l'échachot. Il y en a plus que ça. Regardez, il y en a encore ici en bas. Non, ça se trouve dans le dessin, dans celui-ci là, dans le. D'accord, le dessin en couleur du plan du Beth HaMikdash. Et donc, le Mémouné, il leur disait, il y a une Lishka, un endroit qui s'appelait, un cabinet qui s'appelait le Lishka Tatlaïm, le cabinet où se trouvaient les moutons. Un talé, c'est un, comme Mazal Talé, le Mazal Bélier. Talé mouton. Et la Mishnah nous précise, sache que cette Lishka Tatlaïm, donc la cabine où se trouvait, il y avait toujours dedans quatre moutons qui étaient prêts à faire pour les corbanotes. Comme ça, la Gemara l'explique, on aura l'occasion de le découvrir plus tard. Donc, il y avait un endroit qui s'appelait la Lishkat Atlaim, qui se trouvait où? Haïta Bemiktsoa Tzfonit Maharavit. Elle était sur le côté nord à l'ouest. Elle est là. À la différence de celle-ci, en fait, c'était une salle annexe. Correspond en fait au, regardez au Beth HaMoked. Vous voyez, tout ça c'est le Beth HaMoked, c'est là où les Kohanim, comme ce qu'on apprenait au début de la Maserhet, où le Kohanim dormait. Il y avait, c'est une salle qui était assez importante, il y avait là-bas dans les coins quatre petites salles annexes. Une qui s'appelait là, Lishkat Atlaim, c'est justement, la Mishnah avait nous le préciser. Là-bas les Shachot Ayusham. Mais en réalité, il y avait quatre petites salles annexes qui se trouvaient là-bas dans le grand Beth HaMoked. Une première c'était Achat Lishkat Atlaim. Le premier c'était la, donc comme on a dit, le cabinet où se trouvaient les moutons, prêts à faire encore Ban Tamid. Vachat Lishkat Achotamot. Une où c'était le cabinet, la salle annexe où se trouvaient littéralement les signatures. On va expliquer dans quelques secondes, je finis juste les mots de la Mishnah. Vachat Lishkat Bet HaMoked. L'autre c'était la Lishka, le cabinet où il y avait le feu qui brûlait. Parce que comme ce qu'on apprenait au début dans le périple jaune, c'était les Kohanim, lorsqu'ils avaient besoin de se tremper au Mikvé, il y avait là-bas un escalier qui leur permettait de descendre, ils remontaient tout de suite ensuite, pur, et ils se séchaient, ils se réchauffaient face au feu qui était allumé dans le Beth HaMoked. Et la dernière, c'était Vachat Lishka Shehayu Osin Ba Lechem Apanim. L'autre, c'était la Lishka, un cabinet où on pétrissait et on faisait cuire le Lechem Apanim, le pain du Shabbat. Il faut juste préciser un petit peu mieux, c'est quoi la Lishkat Achotamot. C'est sur ça qu'on a un long Barthénois qui nous explique pour expliquer comment ça marche.
il condense en fait ce qui se trouve dans Masechet Shkalim très succinctement. Il y avait, comme on dit à Rosh Chodesh, on apporte des oblations de vin et des oblations de semoule avec chaque corban, selon l'espèce du corban qu'on va apporter. Est-ce qu'on va apporter un mouton ou un bélier qui est adulte, ou est-ce qu'on va apporter un taureau? Alors sur ça, la Torah a fixé des barèmes différents de quantité à rapporter, de quantité de mesure de semoule et de mesure d'huile à rapporter. C'est ce qu'on dit, Veniskein, Khatiaïn, et la part Oshelichitain Rail, dans le Moussaf de Rosh Chodesh, on mentionne à la fois qu'est-ce qu'on apporte pour un Rail, pour un Shor, pour un Keves. Maintenant, comment se dérouler pour obtenir en fait les oblations? De manière générale, la Gemara elle évoque qu'on peut aussi rapporter de chez soi du vin, ou rapporter de chez soi de la semoule, et ou de l'huile. Il n'y a pas de problème en théorie, sauf que malgré tout, j'imagine que concrètement, l'usage était plutôt de venir avec de l'argent, et on paye sur place, on recevait un chotam, on recevait un bon qui était tamponné, qui était signé par le responsable du Beth Amikdash. Donc c'est ça, c'est de là vient le mot lishkata chotamot, ou des papiers signés, où il y avait en fait des bons signés. Où il donnait à chacun, à toi tu as besoin des nesachim pour un mouton, pour un taureau, alors il donnait à chacun un papier où il y avait deux crues avec sa signature, il y avait écrit mouton, ez, talé, il les rapporte tous, egel, zahar, gdi, chote. Chote, on parle encore d'une autre éventualité, c'était qu'il y avait un metzora qui venait faire sa purification. Pour sa purification, il fallait qu'il prenne un log shemen, une quantité d'huile qu'il fallait mettre sur lui, et puis après ensuite l'asperger dans le Kodesh HaKodeshim, par le Kohen, dans le Kodesh plutôt. Alors, de nouveau, on lui donnait un bon où il y avait écrit dedans pour quel type de Nesachim il avait payé. Et après, on prenait ça, on portait chez un autre responsable qui donnait concrètement les semoules ou les huiles ou le vin. Et donc, on a fini d'expliquer c'est quoi l'Ishkat Atlaim. L'Ishkat Atlaim, ça va être expliqué plus tard, mais comme je le dis, il y avait toujours quatre. C'est déduit de la Mishnah en fait, qu'il fallait qu'il y ait toujours quatre moutons prêts à être faire la Shrita. Pour faire un corban dans la Shrita, on ne débarquait pas avec un animal et on l'égorgeait. Il fallait qu'il soit vérifié pendant 4 jours, qu'on vérifie qu'il n'y avait pas de défaut. Là-bas, dans cette Lishkat Atlaim, eh bien, il y avait quatre moutons constamment qui étaient prêts à être désignés en corban d'Amidé. Dès qu'on en tire un, on rapportait un autre pour qu'il y en ait toujours 4. D'accord? J'ai oublié de préciser aussi. Non, là, j'ai dit. Ces quatre écharotes, ces quatre cabinets, se trouvent en fait tout ça dans le même Beth Amoked, dans l'endroit où les Kohanim dormaient. Se reposer et se réchauffer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.